Et bien salut tout le monde, c'est Faronum et aujourd'hui content de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Pokémon version Emerald. J'espère que vous allez tous bien. Et nous, bah écoutez, on est... dans le dernier épisode, on est arrivé à Pauvre Sel. C'est parti, hein, on va tout simplement continuer à visiter cette ville. On va aller faire un petit tour vite fait sur... Les petits marchés qu'il y a. Non, j'ai vraiment pas du tout le souvenir que Pauvre Sel est comme ça. Hein. Alors là, on a quoi? On a maison spécialiste des noms. Ah, voilà. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir renommer nos Pokémon. Mais bon, je n'ai toujours pas de quelconque nom spécial. Alors là, la Super Bowl est les plus efficace que la Pokéball pour attraper des Pokémon. Ouais. Enfin, ça dépend, parce que moi, il y a une personne de ma famille qui... je vais vous expliquer un peu le truc. Je jouais à Pokémon version Emerald sur Game Boy. Non, pas c'était pas la version Emerald, c'était Saphir, je crois. Attendez. Non, c'était Emerald. Oui, c'était Emerald. Enfin bref, je sais pas. Un des trois. Soit. Non, de toute façon, j'ai que Saphir. Voilà, on va dire que c'est Saphir, hein. Je sais plus si on peut récupérer Rayquaza dedans, mais moi, je me souviens que j'étais en train. Peut-être 3-4 heures en train de galérer pour attraper Rayquaza. Il voulait pas. Je sais pas combien de fois j'ai redémarré le jeu pour ça le capturer. Et c'est là, en fait, je vais chez mon. C'est mon cousin. Et lui, il me dit, tiens, attends. Je lui ai passé la Game Boy et avec aucun stat genre paralysie, réveil ou autre, sommeil ou autre, et ben il a juste Rayquaza full life, il a juste lancé une putain de Pokéball de merde et il l'a attrapé du premier coup et ça m'a foutu trop le seum. Et voilà. Et lui comme un gros fils de pute, il a explosé de rire et voilà. Enfin c'était juste génial quoi. Ça me rappelle tellement de souvenirs de rejouer à ce jeu. En tout cas, voilà, donc en fait, pour en venir au mec qui dit la Super Bowl est plus efficace que la Pokéball, ça dépend, je dirais, ça dépend, hein. Parce que si le mec qui joue à une chatte pas possible, comme lui, voilà, hein. Quand tu te fais chier pendant 4 heures à lancer des Hyper Balls et que lui il arrive, lance une putain de Pokéball et qu'il l'attrape du premier coup, c'est pas. Voilà. Alors voilà, donc si tu regardes cet épisode là, voilà. Hein, je t'emmerde. Il doit y avoir certains produits intéressants au marché. Mais certains objets ne sont en vente que dans les boutiques Pokémon. D'ailleurs, la personne dont je parle, hein, elle fera partie, je pense, enfin, si tout se met en place et si on y arrive, je pense qu'elle fera partie intégrante de la chaîne. Parce qu'on a... Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de projets avec lui. Et voilà. Mais bon. Encore une fois, hein, comme je dis, il faut que ça prend du temps à se mettre en place et tout. Mais on y arrivera, je pense. Alors, bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Moi, je voudrais savoir les super potions. Donc, une super potion qui rend 50 points de vie, hein, seulement 50 PV, ça coûte 700 Poké-Dollars. Hein. Là où un soda cool coûte 300 pour 60 PV en plus. Donc voilà. Ça coûte aussi cher qu'une potion normale pour beaucoup plus de points de vie. Donc autant aller là-bas et piller son stock de soda cool. Par contre, j'ai combien de Pokéball? Ah, j'en ai que 3. Bah écoutez. 7, 8, 9, 10, hein, ouais. Je sais compter. C'est bon, voilà. On va juste acheter des Pokéballs de base. Là. On va vendre tout ce qui est défense plus et tout, parce que pour moi c'est totalement inutile de monter les défenses pendant un combat quoi. En plus on perd un tour, ça sert à rien. Parce que la plupart du temps tu dis tiens je vais améliorer sa défense. Et en fait tu perds un tour, le mec il t'attaque deux fois de suite. En gros t'as perdu beaucoup plus de PV que si tu l'aurais attaqué directement. Sans utiliser quoi que ce soit. Alors ça c'est quoi ça? Fan Club Pokémon pour tous les fans de Pokémon. Cool.
Ah oui, c'est vrai, il y a le monsieur, je crois, qui raconte sa vie. J'apprécie de voir des Pokémon qui aiment les dresseurs. Les Pokémon sont très sensibles aux sentiments de leurs dresseurs. Si tu donnes amour et attention à tes Pokémon, ils t'aimeront en retour. Quand l'amour de tes Pokémon aura grandi, passe me voir. Ah d'accord. Puisqu'en fait, c'est de la merde là. Si tu laisses un Pokémon se faire mettre KO en combat, il n'appréciera pas. Il aura alors moins confiance en son dresseur. En d'autres termes, il ne t'aimera pas trop. Et oh, Galekid, je t'emmerde, d'accord? Hein? Bon, de toute façon, Galekid, là, c'est celui qui est le plus en retard. Y a toujours The King qui traîne aussi, hein, mais voilà. Wow, apparemment, vous donnez beaucoup d'amour à votre Magikarp. Ah, d'accord, il s'appelle The King. Eh ouais. Je peux vous demander un service, je suis journaliste pour la télé, oui, et je réalise un sondage sur les Pokémon. Pourriez-vous répondre à quelques questions simples pour moi? Super, merci beaucoup, très bien, allons-y. Il me faut des réponses concises, d'accord? La première fois que vous avez vu Magikarp, qu'avez-vous ressenti? Comment décririez-vous les sentiments que vous avez éprouvés à l'époque? Alors bon, Si ça aurait été un Magikarp de base, bah écoutez, absentéisme. Ouais. Ça c'est bien, ça, absentéisme. On va plutôt aller dans réaction. Non, ok, ça c'est les trucs émotion peut-être. Acharne, anxieux, battu, atroce, bonheur, colère, Ah d'accord. Confiant, content, découragé. Décourage, danger, déçu, dégoûté, démoralisé, désastre, ouh, dès là. Blablabla, écœuré, drôle, effrayant, effrayé, émerveillé, en colère, ennuyé, énervé, étonné, fier, furieux, heureux, honteux, humeur. Bah, en fait, vu que ce Magikarp est shiny, j'étais à la fois heureux et content, en fait. Puisqu'il est shiny, voilà. C'est tout. Non, je vais dire que j'étais heureux. Voilà. Heureux. Oui. Heureux. Bien sûr, c'est logique. La prochaine question est un peu plus compliquée. La voici. Pour vous, que signifie Pokémon? Ah. Combat. Battre. Voilà. Moi, je fais des combats Pokémon pour battre tout le monde. Je vais contrôler le monde. Voilà. En écrasant toutes les Team Aqua et Bidule Chouette qui seront sur mon passage. Je vais... Voilà. Hein? Oui. Je vois. Très bien. Merci de votre comparaison. Ou compréhension. Cette discussion avec vous a été amusante et enrichissante. Votre interview passera peut-être à la télé. Regardez-la régulièrement. Voilà, c'est tout. Au revoir. Eh ben, au revoir. Oula. Je suis un thug, moi. Je monte sur le canapé. Ok, d'accord. Bon, pour le moment, c'est faire genre je suis assis. Là, c'est plutôt l'inverse, en fait. Là, ça marche. Là, c'est genre je cours debout sur le canapé, quoi. Aucun respect. Hey, mon Pokémon, c'est de la balle. C'est le plus cool de tous les Pokémon. L'autre jour, j'ai dit ça devant le président et je me suis fait remonter les bretelles. Du coup, j'essaie de me vanter un peu moins. Mais si tu veux, je peux apprendre Vantardise, un de tes Pokémon. Cette capacité n'est peut-être apprise qu'une fois, ok? Cool, avec un Pokémon, veux-tu? Tout le monde est apte. Genre, si je veux apprendre Megalicon. Ah! Est-ce que t'as pas un truc qui sert à rien? Genre armure. Bon, non, armure ça sert à rien. Et tada, Galekid ne sait plus comment utiliser armure. Et Galekid apprend Vantardise. Ça c'est bien ça. Dorénavant, je complimenterai mes Pokémon et j'arrêterai de me vanter. Et si je crois bien, Vantardise, c'est un truc qui est plutôt bien.
Contrarise, rend l'ennemi confus et booste l'attaque. Voilà, ça c'est bien ça. En plus de rendre l'ennemi confus, notre attaque est boostée, mais je crois que c'est pas mal quand même. Hein. Elle est bien bien boostée. Et combien de fois je me suis fait défoncer parce qu'un Pokémon adverse avait utilisé Ventardis, quoi. Bon alors, vous, commandez-vous, si un Pokémon sauvage est blessé, il se soigne en mangeant des baies. Tu le savais, en mangeant des baies, pardon. Envoie ça, quelqu'un a eu l'idée de faire des médicaments à base de baies. Tu le savais? Pour transformer des baies en médicaments, il faut les réduire en poudre, tu le savais? Ouais, oh. On dirait que tu t'intéresses aux baies. Que quelque chose... J'ai quelque chose qui va sûrement te plaire. Un poupoudre. Ah, c'est cool ça, du coup on va pouvoir... Et ça, j'aime bien. J'ai récemment fait installer des machines pour broyer les baies dans le centre Pokémon. Les broyeurs de baies se trouvent dans la salle ligne directe. Tu le savais? T'es relou. Pourrais-tu aller voir de la poudre... Pourrais-tu faire de la poudre baie pour moi en utilisant ces machines? Je ferai une préparation juste pour toi. Si tu arrives à broyer des baies et à me ramener la poudre... La poudre baie. Tu connais la CT Force Cachée? Dans notre groupe, on aime bien les CT Force Cachée. Okay. L'un de nos membres va te la donner. Tu viendras me la montrer quand tu l'auras. On t'acceptera en tant que membre et te vendra des super trucs en secret. Ok. Mais écoute. Qui c'est qui a laissé des ballons sur le chemin? Faire ces achats là où l'on peut sentir le souffle de l'océan. Pauvre Sahel est un lieu si merveilleux. Ouais. Oh, regarde ça! Les algues que l'on peut prendre par ici sont fraîches et pleines de vie. C'est comme si elles allaient se accabrer et attaquer. Bon, par contre, on peut... ils vendent pas tous des trucs, ça c'est chiant. C'est dommage. Hein. Je suis le maître de la forme et j'ai tout ce qu'il vous faut. Achetez. Protéines. Oh, ah, ils vendent tout ce qu'il faut. Mais et je suis pauvre encore. Voilà. Mais je reviens, ça c'est vraiment cool, ça monte les PV d'un Pokémon. Par contre je crois que ça donne qu'un point de vie, un truc comme ça. Genre la protéine ça monte l'attaque, mais je crois que ça ne monte que d'un point. Du coup c'est super super cher pour ce que ça donne. Mais c'est vraiment génial, tu te boostes tes Pokémon comme ça, tu les drogues. Tu les drogues et puis après ils deviennent super puissants quoi. Même quand ils sont level 100, tu les boostes un max quand ils sont level 100. En principe t'as un max de pognon. Oh, ton Magikarp, il faut que tu fasses plus d'efforts. Si tu le fais, je demanderai quelque chose de chouette à ton Pokémon. Et oh, c'est bon. À chaque fois que je viens ici, je me laisse emporter et j'achète trop. Et ouais. Bienvenue, en quoi puis-je vous aider? Poupée Azuril. Ah, ça c'est pour les... Eh, ça coûte cher leur truc, là. Vas-y, je me casse. Salut. Enfin, bref. Ouais, donc ce que je dis, c'est pour les... On a des espèces de cachettes secrètes. La lumière du phare se voit à des kilomètres à la ronde. Je me demande si ça n'effraie pas les Pokémon de la mer. Ou j'en sais rien. Et je me suis pas posé la question. Okay. Tu sais ce qu'ils font des bateaux devenus trop usagés pour naviguer? Ils les font couler dans la mer pour qu'ils servent de refuge aux Pokémon. Ah, d'accord. La mer est tellement vaste. La mer peut-elle être faite... Des larmes versées par les Pokémon. Oula. Ok. Bonjour. Mon Pokémon est pressé. C'est sa nature. Sa vitesse est plus élevée que celle de mes autres Pokémon. La nature des Pokémon est peut-être un rapport avec leur stat. Oui, ça d'ailleurs c'est vrai, mais... Mais moi, je sais pas. Tu es un dresseur, n'est-ce pas? Tu dois vouloir te rendre à la tente de combat de Poivre Sel, non? La tente de combat de Poivre Sel. Eh oh! Une tente de combat a été récemment construite à Poivre Sel. Les arènes sont marrantes, mais les tentes de combat, c'est autre chose. Tu devrais y aller si tu veux te battre contre des Pokémon redoutables. Et moi, j'aime me battre. Là où l'eau est propre, se regroupent les fruits de la généreuse récolte. Et là où les gens se rassemblent, s'établit un marché. C'est ainsi qu'une ville se crée et se développe. Oui. Alors on a là. On a la team à quoi qui fait chier. Mais regardez tout ce beau monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette longue file. Poupe.
Celui qui a fondé ce musée est aussi à la tête d'une équipe d'exploration sous-marine. Alors, tout le monde l'appelle Cap Poop. Ok. On va parler à elle, là. Hé, hey, toi, arrête de pousser. Tu vois pas que c'est la file d'attente? D'accord. On va continuer de visiter la ville, tiens, tant qu'à faire. De toute façon, on est parti pour... Hé, hey, monsieur. Pfou, je suis claqué. Je suis venu à pied de Lavandia. Cette ville est immense. Si j'avais su, je serais venu en vélo. Oh oui, on va pouvoir bientôt débloquer le vélo. Et bonjour, toi. Écoute. Hey, un voyage au fond de la mer, je me demande comment c'est. Un jour, j'aimerais bien aller comme ça dans les profondeurs de la mer. Et c'est là où Léviathan va vraiment nous être utile. Parce que Léviathan peut apprendre toutes les capacités eau, dont surf. Bah, oula. Allô. Ah là, oula. Ok, j'ai eu un magnifique freeze. Bon, je voulais accompagner le Cap Poop dans son exploration des fonds marins, mais le sous-marin est trop petit. Si j'avais embarqué, il n'y aurait plus assez de place pour le capitaine. Ouais. Non, c'est bon. Je vous demande pardon, vous cherchez un bateau, désolé, vous ne pouvez pas embarquer sur le ferry pour le moment. Je demande si le ferry c'est le même que dans la version Verfeuille et tout. Enfin bref. Bonjour monsieur. Cool, je vais bientôt aller me battre dans une tente, mais avant il faut que j'attrape des quelques... Ah oui. Bonjour. Ne serait-ce pas super s'ils avaient plus de choix? Comment ça? Tu peux te battre quand tu veux ici, même si tu ne possèdes pas de Pokémon. Oh, c'est nul. J'aime pas vraiment les Pokémon insectes, mais je devrais peut-être en essayer juste pour voir. Qui sait, je pourrais peut-être même aimer ça. Ouais. Tu vois, comme je pouvais pas trouver de Pokémon pour moi, tu vois. Alors je suis allé me plaindre à ce type-là, tu vois. Et il voulait même pas m'écouter, quoi. Un vrai pourri, quoi. Je pouvais pas en placer une. Attends, prends ça, quoi. Ok. D'accord. Ben quoi, c'est la CT41, tu vois. Et c'est tourmente, tu piges. Avec ça, l'autre pourra pas utiliser deux fois de suite la même capacité, ok. Et maintenant, tu m'écoutes, alors... C'est quand même pas la mort. Ouais, bah écoutez, si... Enfin... Si tu parles comme ça au mec, je comprends pourquoi il t'a envoyé chier. Hein. Ouh, règles des combats échanges. Quel chapitre voulez-vous lire? Règles de base, échange Pokémon, échange nombre, échange notes, Pokémon. Tous les Pokémon de la tente de combat de pauvre SL sont prêtés. Les Pokémon sont tous de niveau 30. Ok. Et est-ce qu'on peut genre affronter avec nos Pokémon? Bienvenue dans la tente de combat de pauvre SL. Je serai votre guide pour le tournoi combat échange. Revêt le défi du combat échange. Ok, si tu veux. Avant de commencer, votre partie doit être sauvegardée. Si tu veux. Ça fait un peu bizarre de croiser un mec dans la vraie vie qui te dit. Enfin, si ça existerait, Pokémon, c'est. Vous devez d'abord sauvegarder votre partie. Hein? Du coup, entrez, je vous en prie. Bon, bah, c'est parti, hein. On va voir ce que c'est. Ah, je crois me souvenir, nous allons garder vos Pokémon. Vous pourrez choisir 3 Pokémon dans notre sélection. Ah oui, et c'est ça qui est chiant, sélectionner le premier. Chamallow, Papinox, Lumivol, Chamallow, Chuchmur ou Balbuto. Alors, déjà Chamallow, type feu. Ah oui, quelle attaque tu as? Dis-moi. Flamèche et Zénith, Flamèche. Et Sol, ouais, il a des attaques feu et Sol, donc c'est bon. Chamallow, on le loue. Papinox. Qu'as-tu? Type poison normal et vol. Une attaque vol, ça serait vraiment pratique. Lumivol. Qu'as-tu? Que des attaques normales, ok, non. Par contre, il a l'air d'avoir plus de PV que lui. Ouais, il a plus de PV, bon. Ah, non, on va pas prendre deux chamallows. Chuchmur. Psy. Repos, bah, tu parles, hein. Blabla dodo et plaquage. Balbuto, tiens, fais voir ce que t'as, Balbuto. Ah, attaque vol et attaque psy.
Et destruction, ça, ça peut être cool, ça, en cas de dernier secours. Ok, bon, on va prendre Balbuto, ça devrait être bien. Enfin, quoique ses attaques... 64, ouais, il a pas beaucoup de PV, mais hop, on ouvre Balbuto. Et entre deux, là, parce que je suis mis en non, merci. Et entre deux, Papinox, il a une attaque vol, Lumivol. Ouais, allez, on va prendre Papinox. Ouais, je pense... Précis, s'il vous plaît. Par contre, j'ai pas regardé ce que l'autre Chamallow avait comme attaque. Ouais, donc si, c'est bien ça. Hein, tu veux te battre contre moi? Bah, c'est bien pour ça que je suis là, écoutez. On galiquide niveau 30. Chamallow. Ah bah, ça tombe bien, voilà. Ça tombe très bien. Allez, petit Flamèche. Ah non, tiens. Mais il est pas type fer. D'accord, ça part de quelle version que... Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de séisme? Type sol. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Mais le type fer, il est pas... Il est pas sensible contre le... Oups. Ça, ça pue, ça, type eau. Type eau. Oh, un insecte. T'as quoi des attaques de type vol? Et toi, t'es quel type? T'es sol et psy. Bah écoutez, on va envoyer Papinox. Hein. Allez. Ah oui, c'est un Papinox, on le voit pas du tout ici. Dans cette version-là, on le voit pas. Et rayon lune, non. On va essayer de l'empoisonner pour voir si ça marche. Non. Pourquoi ça fonctionne toujours sur moi du premier coup? Les ennemis m'empoisonnent quand ils font dark poison sur moi là ou dark venin. Et moi ça marche pas. Mais allez. Allez, ah voilà. C'est tout ce que je voulais pour nous aider, hein. Bon, maintenant Papinox il est un peu dans le caca, je dirais. Et puis un coup critique, bah oui. Bah tiens, ah, il a une baie. Baie au rang. Allez, bah, tu veux pas, je sais pas moi, avoir une un peu plus efficace que ça. Tornade. Coup critique. Eh ben écoutez. Allez, Balbuto, mais il a certes défoncé, Balbuto. Puisqu'il est type sol. Mais soleil échoue. Ah. Souffle du poison. Destruction. Protection. Rafale psy. Pouvoir antique. Type roche. On va faire un type. Voilà. Hein. Mais je sais pas si le psy c'est efficace contre l'eau. Ok, donc c'est normal. Et là, tu as Nosferapto. Ok, bah écoutez, ça tombe bien. Type roche. Étonnement. Oh mon dieu. Oula. C'est super efficace. D'accord. Mais moi aussi, c'est... Ok. Ah oui, non, j'ai eu peur. C'est tout? Mais écoute, fuck the shit! Elle a coup critique, vous allez voir. Coup critique, attention. Ah non, même pas, d'accord. Ok. Bah, Chamallow, hein. Ouais, non, de toute façon, il est dans les airs, donc ça sert à rien. Regard noir. Pourquoi il a pas de Papinox? Onde folie, ah. J'aurais pu faire Zénith aussi pour augmenter les stats de type feu. Bon, du coup, je pense que cet épisode-là va durer beaucoup plus longtemps que... Ah, j'ai perdu impossible. Quand même, tout ce que tu m'as foutu dans la main. Merci pour votre participation, je vais soigner vos Pokémon. Est-ce qu'on fait qu'un seul combat ou plusieurs combats de suite? Le deuxième combat va avoir lieu. Pouvons-nous commencer? Ok, bah on va continuer.
Avant de commencer le combat, voulez-vous échanger un Pokémon? En fait, Papinox, il est peut-être pas super que ça. Chamallow, il est bien. Balbuto aussi. Après, voyons voir Papinox. Galekid. Ah, oh, ça change Poissirène. Tiens, vas-y, fais voir ce que t'as. Accepter ce Pokémon. Et on peut pas voir un. Poissirène. Ouais, puis allez, on va rester comme ça. Parce qu'on peut même pas voir leur résumé, quoi. Par ici, s'il vous plaît. Tant qu'à faire. Bonjour, écoute, je suis le meilleur. Ou qui? Eh bien, ça m'étonnerait. Bien, donc dernier combat de cet épisode. Après, ça sera la fin. Type électrique, faible contre type sol. Normalement. Ouais. Au revoir. Salut. Chamallow, il est vraiment bien. Il a de bonnes attaques. Solarock. Ah. Type roche. Le type roche, c'est... Mon type roche. De toute façon... Est-ce qu'on peut faire... Question. Oula. Wow, il fait mal, eh. Donc, non, ouais. Fait échouer les capacités sol avec l'évitation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai de pierre. Eh, mais il fait mal, quoi, Solarock. C'est fou. Two shot. Par contre, ça pue un peu, là, non? Fatal Psy. Vague Psy. Ah, d'accord, ok. Alors lui aussi il fait des trucs psy. D'accord, ok. Et Solarock, je connais pas du tout ce Pokémon, ses capacités et tout. Putain, il va être chiant. Oh, non. Ça fait rien, vas-y dégage. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah tant qu'à faire, hein. Ouais, de toute façon, c'était le sacrifice qui a peut-être servi à rien. Ouais, une attaque vol contre un attaque contre un type proche, quoi. Oh, ouais, même, il a même pas perdu de vie, quoi. Mais... Et pourquoi t'as des pas d'attaque roche? T'as des attaques roche? Oh. Ok. Bon, oups. Bon bah. Voilà, c'est fini. Mais genre quoi, Solarock? Mais c'est un truc de fou. Ben, au prochain. Merci d'avoir joué. Je vous rends vos Pokémon et reprends les Pokémon de l'autre. Je dois sauvegarder vos données. Ok, d'accord. Eh bien écoutez, voilà, c'était cette, ce nouvel épisode de Pokémon, hein. Je sais même plus du tout combien c'est. Attendez, c'est peut-être l'épisode 9, d'ailleurs. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. On se quitte sur une petite défaite, bon, pas bien grave. Et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et dans le prochain épisode, on va tout simplement continuer et virer la team Aqua de cette ville. Voilà. Allez les gens, c'était Pharonium, et moi, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Salut tout le monde!